Bonjour, bienvenue sur WebAgri en direct du CIMA, édition 2019. Et nous sommes ici sur le stand Roland pour vous parler du nouveau Rollmax. Et vu le gabarit de la machine, autant prendre un peu de hauteur. Donc le Rollmax est équipé aujourd'hui de la réelle pesée dynamique. Donc c'est une pesée qu'on a développée depuis 2012 sur la gamme Rollforce et qui nous a permis de certifier notre épandeur à l'éco-épandage. Et là, depuis maintenant la fin de l'automne, on l'a intégré sur la gamme Rollmax. Donc la gamme Rollmax, c'est 4 modèles, le 5420, 6325, 7130 et 8735 qui lui est en 3 essieux. Donc l'avantage, c'est d'avoir des extensiomètres. Donc on n'est pas obligé de passer par un double châssis, on ne se pénalise pas sur le poids à vide ni la hauteur de chargement. Donc chaque roue est équipée d'un extensiomètre et pour cela on équipe nos épandeurs en standard du Rollfast, donc la suspension hydraulique intelligente de chez Roland qu'on a développée maintenant depuis 15 ans. Donc les roues sont totalement indépendantes. Donc on a équipé avec la pesée dynamique, on est en finition HD sur notre cadre hérisson. Et puis on va avoir aussi la flèche à suspension hydraulique qui sera en standard. Alors quel est le volume de ce modèle là, 7130? Alors 7130, donc 7100 de longueur et 30 mètres cubes maximum. Donc la suspension hydraulique indépendante par roue qui est développée chez Roland depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc l'avantage c'est qu'on va gagner en stabilité dans les deux verres, on ne va pas avoir de variante. Et nous permettre de placer nos extensiomètres sans passer par un double châssis. Je vois aussi système de graissage centralisé. Donc là, j'imagine, on est dans le confort utilisateur. Confort utilisateur et puis aussi la précision. Voilà, et sans doute sécurité en termes de durée de vie de la machine. La machine, elle est graissée automatiquement, plus besoin d'y penser. Voilà, ouais. Hein, donc on va être sur des utilisations très certainement intensives. Donc il va falloir faciliter aussi les entretiens. Donc ici on va retrouver avec la suspension hydraulique de flèche nos axes de déformation qui sont pris sur l'avant. On peut également équiper nos épandeurs de l'autopiloté avec l'attelage rapide Rolllink. Ici on va retrouver toute l'intelligence de la machine sur ces trois boîtiers. Nos épandeurs, depuis mars 2018, sont livrés avec le buzzer indicateur de rotation des démêleurs lorsque la machine est à l'arrêt. À qui est-ce que s'adresse ce type de véhicule? Là, on est dans une gamme donc gros utilisateurs qui peuvent être donc des ETA, des CUMA aussi avec des fortes utilisations. Aujourd'hui, le fumier, il n'est plus non plus... il est reconnu, on appelle ça des engrais de ferme, donc il est revalorisé. Et donc c'est pour ça qu'il est utilisé des épandeurs de ce modèle. Bien Jean-Yves, merci beaucoup. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver très prochainement sur WebAgri pour d'autres reportages.